Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olaine à Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du mois d'avril 2020 pour le signe D. Bon, il m'en reste plus que 3. Alors m'en voulez pas si c'est pas votre signe, mais de toute façon quoi qu'il arrive, il sera choisi. Ah, il y en a deux. Ah non, je la remets parce que là il m'en faut qu'un. Allez, hop, il y en a un qui est tombé. Allez, on y va, ça sera pour le signe des Verseaux. Allez, pour vous mes amis Verseaux, tirage général avec le jeu 32. Je fais juste un petit tirage sentimental avec l'oracle des miroirs en tirage en croix. Mais promis, pour cette semaine, vous allez avoir votre tirage complet sentimental avec les 15 cartes. D'accord? Allez, on y va. Pour vous mes amis, signe des Verseaux, pour ce tirage du mois d'avril 2020. Allez, on va procéder à la coupe. Nous avons le roi de cœur et nous avons le déplacement, le 8 de carreau. Donc, pour vous, mesdames Verseaux, il y a votre homme, votre chéri ou la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, bien sûr, ou que vous venez de rencontrer. C'est vraiment un homme bon, bienveillant, roi de cœur, qui a des sentiments, des projets et qui va peut-être vous faire... Alors là, on a la visite, c'est vraiment une petite visite, alors peut-être une petite visite en cachette, malgré qu'il n'a pas le droit, hein. Il y a le confinement, mais vous pouvez avoir des nouvelles. Alors, donc là, bien sûr, c'est décalé, mais on voit que cet homme-là, il veut vraiment venir vous voir, d'accord? Et pour vous, messieurs Verseaux, vous inversez, vous mettez la femme à l'inverse. Allez, on y va. Je vais choisir 15 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai mes 15 cartes. Alors, comme d'habitude, si elles sont négatives, enfin certaines, enfin je ne vous souhaite pas qu'il y en a des négatives, mais bon, on en a toujours une ou deux qui arrivent, mais ça peut arriver qu'il n'y en a aucune. Hein. Mais bon, c'est rare, hein, je vous rassure. Allez, on y va pour la première. Nous avons le valet de cœur. Alors, peut-être que pour vous, mes amis Verseaux, là, ça nous va nous parler du meilleur ami, du fils. Vous avez quelqu'un de bon autour de vous, dans votre entourage, et avec qui vous allez avoir des nouvelles bientôt. En tous les cas, donc, des nouvelles soit de votre enfant, garçon, ou des nouvelles d'un meilleur ami ou de votre frère. En tous les cas, dans les 24 heures, 48 heures, il y a des news, hein, des nouvelles. Mais dans les 24 heures, 48 heures, concernant... ce fils ou ce meilleur ami ou ce frère, en tous les cas, il y a de la colère. Il va y avoir une colère pour vous, mes amis Verseaux, concernant cette personne-là ou qu'à inverse, peut-être que justement votre fils va être en colère, peut-être qu'il va être énervé, peut-être qu'il va vous annoncer la chose. D'accord? Mais en tous les cas, il y a de la colère. Là, nous avons la carte du retard, donc sur du retard. Nous avons peut-être, pour certains et certaines, peut-être un projet de déménager. Un déménagement en cours, peut-être de faire un voyage, malgré qu'il y ait ce confinement, c'est retardé. Mais en tous les cas, il y a un déménagement, un grand changement qui va se passer pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois d'avril. En tous les cas, là, ça va être comme reçu comme un cadeau du ciel. Il y a de la joie qui va arriver pour vous, concernant peut-être un changement, hein, changement peut-être professionnel. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous perturbe, malgré ce changement qui va arriver. Il y a quelque chose qui vous contrarie. On va voir sur quoi. Concernant peut-être aussi un enfant, concernant votre fille. Donc là, on a vraiment, mes amis Verseaux, ça nous parle vraiment. Alors, pour certains et certaines, hein, je vous rappelle que c'est un tirage général. Mais en tous les cas, là, j'ai l'impression que pour certains et certaines Verseaux, ça nous parle vraiment d'enfants. Soit que vous avez vos enfants sont confinés comme tout le monde et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent comme nous, hein, comme nous tous. Mais on voit qu'il y a des blocages, il y a quelque chose. Soit vous avez votre fille qui est contrariée, soit que vous êtes vous qui êtes contrariée par rapport à une situation, par rapport à vos enfants. Mais on a qu'il y a quelque chose, il y a de la colère là. Colère vis-à-vis de la famille concernant vos enfants. D'accord? On va regarder ce que ça donne. Là, il y a un homme. Donc là, au niveau sentimental, on a un homme de caractère, un homme bon quand même, mais qui est dominant. Hein, d'accord? On va regarder ce que ça donne et vous allez en avoir des nouvelles. Donc pour vous, mes femmes Verseaux, pardon, qui sont peut-être, qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont en attente... d'un homme, il y a des nouvelles, il y a une rencontre qui va se faire. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Par contre, vous inversez pour vous, messieurs Verseaux, là, vous le roi de trèfle, vous mettez la dame de trèfle. Hein. Il y a vraiment un contact, des nouvelles de cette personne-là.
Ok, on va regarder ce que ça donne. Là, on vous dit de faire attention aussi des nouvelles d'une personne pas bonne, une femme, et ça vous concerne, vous, mesdames Verseau. D'accord ? Pour vous, messieurs Verseau, si vous êtes en couple, on vous dira que votre femme, votre compagne, a une femme pas bonne dans son entourage. D'accord ? Mais mesdames Verseau, on vous dit méfiance, méfiance à une femme de votre entourage. Là, nous avons le roi de pique. On vous dit, mesdames Verseau, ça vous concerne. Peut-être que vous êtes dans une procédure, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. D'accord ? Ou peut-être que vous êtes en rapport aussi avec le médecin ou un homme de loi, ou par rapport aussi avec la justice, hein, tout ce qui est en uniforme, tout ce qui est en rapport avec la justice. Mais il y a de la joie. Il y a de la joie concernant tout ce qui est d'ordre juridique, tout ce qui est d'ordre médical, il y a de la joie. Ok ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, nous avons une jeune femme brune qui va vous apporter des bonnes nouvelles, ou ça peut être de la joie, on va vous annoncer concernant la loi, que vous allez avoir gain de cause, et surtout, vous allez récupérer gain d'argent. Là, c'est petit profit, ou de la joie concernant tout ce qui est lié à l'administration. Mais là, voyez cette ligne-là ? On a vraiment la dame de carreau, 8 de trèfle, sur du retard, dame de cœur, dame de trèfle. On vous dit de faire attention aux femmes, mesdames Verseau. D'accord ? Alors, je vais recouvrir la dame de carreau. Là, ça concerne l'argent. Moi, pour moi, il y en a que, femme Verseau, vous allez mettre une personne en procédure. Ou vous êtes en procédure avec une femme et vous allez récupérer de l'argent, on vous doit de l'argent, ou vous êtes en rapport avec l'argent. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Je vais recouvrir la carte de la colère. Colère concernant un voyage, concernant une région, concernant l'étranger. Malgré, il y a quand même ce déménagement que je vous avais dit au début. Qu'est-ce que je vais recouvrir d'autre ? Je vais recouvrir le roi de pique. Vous allez avoir des nouvelles d'homme de loi, hein, voyez ? Moi, pour moi, c'est vous allez avoir des nouvelles d'homme de loi et ça va être bon. Je vais recouvrir le 10 de trèfle, vous avez la réussite. Génial. Donc, mes amis Verseau, faites attention à une femme. Peut-être qu'il y a une femme qui vous doit de l'argent. Ça peut être d'ordre professionnel, mais vous avez gain de cause. Hein. Peut-être que vous allez récupérer des indemnités que l'on vous doit. Peut-être que vous allez changer de travail, mais on va essayer de vous bloquer. Cette femme-là va essayer de vous bloquer, mais en aucun cas, elle n'y arrivera pas. Faites attention aussi qu'on ne vous arnaque pas concernant de l'argent. Vérifiez bien ce que vous signez, d'accord ? Mais vous avez la réussite, hein, d'accord ? Et faites attention aussi, je vois qu'il y a peut-être pour certains et certaines Verseaux, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec des enfants. Alors, ça peut être fille, parce qu'on avait la fille, on avait le valet de cœur et la dame de cœur. Alors, ça peut être soit vos enfants, ou un enfant, une fille, ou un enfant, un garçon, ou plusieurs enfants, d'accord ? Mais j'ai plutôt l'impression que soit c'est vous qui vous tracassez par rapport à vos enfants, ou c'est plutôt vos enfants qui ont eu des soucis ou qui se tracassent pour quelque chose. D'accord ? Donc là, je vous fais juste un petit tirage en croix, mes amis Verseau, pour le tirage sentimental. Et cette semaine, vous allez avoir votre vrai, vrai tirage avec 15 cartes. D'accord ? Allez, on y va à la coupe. Je fais juste un petit tirage en croix. Des nouvelles, des correspondances et des nouvelles de la santé. Donc là, cette coupe-là peut nous parler du sentimental parce qu'on a la carte des nouvelles. Donc peut-être que vous attendez quelqu'un, des nouvelles d'une personne, hein, peut-être de votre chéri, compagnon, ou voilà, que vous venez de rencontrer quelqu'un ou de votre homme. Hein. Et pourquoi ? Peut-être parce que la personne travaille dans le domaine médical et vous voulez avoir des nouvelles de cette personne-là. Peut-être que justement cette personne-là a des soucis de santé et vous voulez en avoir des nouvelles et vous en avoir, ou c'est peut-être vous qui vous tracassez parce que vous êtes en attente de nouvelles, mais en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles de la personne, d'accord ? Bon, on vous dit de faire attention quand même à la santé, mais rappelez-vous, je vous avais sorti, vous, que c'était pas méchant concernant le... Là, vous voyez, ça ressort. Là, vous voyez, vous avez des nouvelles d'une personne et vous avez un choix. Hein. Peut-être que pour certains et certaines Verseaux, vous allez avoir le retour d'un ex, hein, et vous allez devoir avoir le choix. Allez, on y va, je fais le tirage en croix. Allez, hop, 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 hop. Mm-hmm. Ah, génial. Alors, pourquoi je fais mm-hmm ? Parce qu'on a la carte de l'échec, mais j'ai la roue de la fortune à la fin, et ça, c'est génial. Je vais juste recouvrir la carte de l'échec pour vous. Alors, là, on voit pour certains Verseaux et certaines Verseaux, il y a eu un sentiment d'échec, peut-être par rapport au passé. Vous avez peut-être rencontré dans le sentimental des hommes ou des femmes qui n'étaient pas bons pour vous. Vous avez eu peut-être le projet de construire avec cette personne-là, mais c'était vraiment... il n'y avait rien. Mais on vous dit que sur du retard, vous allez avoir une rencontre. Alors, moi, pour mes amis célibataires Verseau, hommes ou femmes, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes plutôt pour certains et certaines. Hein, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Bon, je vais essayer de faire un maximum
de choses à vous dire, de choses concernant tout le monde, hein. Donc là, si je me base sur les célibataires, peut-être que pour moi, le passé n'a pas été florissant. Pour vous, vous avez été dans des échecs enfin, sentimentaux. Vous avez peut-être eu des projets avec les personnes ou la personne avec qui ça n'a pas marché. Mais on vous dit que sur du retard, il y a la roue, elle tourne. Hein, voyez, il y a cette, il y a cette roue qui vous dit que ben, la roue, elle tourne et ça va être positif pour vous. Mais moi, pour moi, honnêtement, je vous dis franchement, cet échec, il va être balayé. Vous voyez, il y aura peut-être, comme toujours, hein, le passé, on ne peut pas l'oublier comme ça, il y aura des séquelles. Mais on vous donne cette possibilité, hein, possibilité là, de rencontrer cette personne-là. Essayez de vous ouvrir un peu plus les versos, hein, d'accord? Mais en tous les cas, il y a une belle rencontre qui va arriver sur du retard. Je ne vous dis pas tout de suite, en tous les cas, hein, d'accord? On verra, de toute façon, avec le tirage sentimental du mois d'avril. Là, c'est juste un petit tirage que je vous fais. Pour d'autres, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, donc peut-être que vous avez été dans une situation d'échec par le passé, comme les célibataires, vous avez des projets avec cette personne-là qui se réaliseront et ça sera la réussite pour avec la personne que vous venez de rencontrer. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a eu peut-être par le passé quelques échecs avec cette personne-là. Vous allez vous remettre des projets. Donc, projet, ça peut être projet de restaurant malgré ce confinement, projet de voyage ensemble. Ça a peut-être été freiné. Il y a eu une baisse de choses, de projets. Là, on voit que ça va repartir, mais on vous dit sur du retard malgré ce confinement. Ça correspondrait à peu près. Mais en tous les cas, là, ça repart. Hein. Et pour celles et ceux qui veulent se séparer, qui sont en couple, qui veulent se séparer, on voit que le couple ne va pas, plus du tout. Il y a cet échec de couple. On a ce projet, justement, de rencontrer quelqu'un d'autre. Sur du retard, il y aura quelqu'un d'autre et il y aura la réussite avec cette nouvelle personne. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on a que vous voyez que vous avez peur que ça soit une situation d'échec. On voit que vous vous êtes pas bien, vous voyez, vous attendez, vous êtes dans l'attente, là, vous êtes immobile. Vous avez ces projets, cette personne-là, ils vont se réaliser sur du retard et il y aura la réussite. Donc, soyez patiente. D'accord? Et pour celles et ceux qui attendent le retour de la personne, de l'ex, on voit bien que vous êtes aussi dans une situation d'attente. Il y aura des projets, cette personne-là reviendra, mais pas tout de suite. Il y a la carte du retard, mais il y a la roue de la fortune, donc cette personne-là reviendra, mais pas tout de suite. Et il y aura des projets d'avenir avec cette personne-là. Donc voilà mes amis Verseau. J'espère que ce tirage, quand même, petit tirage sentimental, pardon, vous aura plu. Moi, en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Vous voyez, on a en plus cette carte de fin, donc il y a vraiment la fatalité de quelque chose. Hein. Vous balayez, c'est la fin du négatif, là. Hein. D'accord, mes amis Verseau. En tous les cas, moi, je vous dis au mois prochain pour le mois de mai 2020, pour le tirage général. Et pour cette semaine, je vous fais cette semaine le tirage du mois d'avril 2020 pour le sentimental. Voilà les amis, ciao, ciao mes amis Verseau. Et surtout, restez bien chez vous, confinés, ok? Pour celles et ceux qui peuvent. Ciao, ciao, bisous.